Bonjour à tous, bienvenue à notre streaming hebdomadaire. Comme à chaque semaine, nous nous retrouvons autour d'une petite maquette, ou pas, une figurine, un produit RC ou quoi. Donc cette semaine, je choisis un produit Batman. Donc c'est la marque Metalurh, vous savez, ce sont les maquettes en métal. On avait fait, il y a maintenant un petit moment de ça, la Tour Eiffel. Je vous invite à retrouver d'ailleurs ce streaming. Et aujourd'hui, j'ai donc pris le Bat-signal, vous savez, c'est... ce qui permet d'appeler Batman. Là, vous mettez la lampe dans la espèce de pochoir, je ne sais pas comment on appelle ça, le Batmobile, et du coup qui permet d'appeler le super-héros. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc maquette en métal. On avait parlé la semaine dernière éventuellement d'un aérographe. Ça c'est pas fait. Je vous avais prévenu que ça serait très compliqué au niveau du boss négocié et tout. Voilà, ce sera pas pour tout de suite, tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui spécial Batman, maquette donc en métal. Pas de colle, pas de peinture. Voilà, je sors de mon atelier. Vous savez, les mercredis, on fait donc tous les mercredis, nous faisons nos ateliers d'initiation aux maquettes. Du coup, voilà, cet après-midi, j'ai fait des A380. On a eu un en argent, etc. C'était très chouette. Donc voilà, je passe à un autre type de maquette. Maquette en métal, le Bat-signal de chez Metalurh. Voilà, on va passer au plan maquette. Que vous voyez ça. Oups, j'ai bougé mon plan. Tchouk. Voilà. Je suis aussi accompagné de ma petite figurine Funko Pop qui traînait dans le coin. Donc voilà, on va la sortir aussi puisque c'est de nouveaux produits que nous proposons désormais. Petite figurine Batman qui va m'accompagner pour le streaming. Voilà. Tchouk! Est-ce que vous la voyez? Là non, là oui. On va la mettre comme ça. Tac! Voilà. Vous placer ça. Voilà. Donc bonjour à tous, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein? Je suis là pour y répondre avant tout, avant de faire ma maquette. Je suis là pour répondre à vos... Si vous avez des questions, que ce soit technique, ou sur l'actualité, mille et une maquette ou quoi, ben, n'hésitez pas. Je suis avec vous, je regarde vos commentaires. Et voilà, du coup, ben, on va commencer. Je vois que nous sommes déjà une petite dizaine. Ben, bonjour à tous. Merci déjà pour les likes et les loves. Daniel, Emmanuel, Jean-Baptiste, Nicolas, merci à tous. Les habitués sont là, Emmanuel, n'est-ce pas? Voilà, bonjour à tous. Ok, alors, ben, on va ouvrir la boîte. Je l'avais un peu ouvert avant, j'avais triché, j'avais regardé le contenu, n'est-ce pas? Donc, comment ça se présente? Ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez donc des grappes en métal. Et du coup, en fait, à l'aide de ces trois pinces, vous n'en voyez que deux, voici la troisième. Avec ces trois pinces, on va pouvoir du coup détacher les pièces et les monter petit à petit grâce à la notice de montage qu'on a ici. Donc, notice de montage en couleur, assez sympa. Et alors, oui, donc je disais, c'est donc sans colle, c'est un système de mâle femelle où on va plier, et on va du coup intégrer les pièces les unes dans les autres. Voilà, je vous ai mis tout à l'heure sur le premier fond à quoi ça va ressembler le final. Je vais vous le remettre rapidement. Voilà, vous voyez en bas à droite ce que ça va rendre final, au final. On va essayer donc de faire ça. Je vais bien sûr vous mettre le petit lien qui va bien, que je vous montre le produit chez nous. Toc, il est ici. Hop, voilà pour vous. On va mettre le lien vers le produit. Hop, je viens vers le produit. Donc, c'est une petite maquette qui coûte 20 euros. Profitez-en, elle est en promo, moins 15%. Donc, c'est le moment de l'acheter. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous avais aussi préparé le petit lien vers les Funko Pop. Batman, elles sont toutes ici. Voilà pour vous. Donc, ça, c'est bon. Bah, on va pouvoir attaquer le montage. Hein. Quand faut y aller, il faut y aller. Petite figurine qui m'accompagne, tout va bien, je vais me mettre là, tiens. Et on peut commencer. Alors, je vais me mettre ici, des premiers commentaires. Pas pour le moment, des bonsoirs, bonsoir, bonsoir, ben, bonsoir à tous. Je vous laisse vous connecter petit à petit. N'hésitez pas à partager. On adore ça. Alors, d'accord, donc oui, chez Metalurh, les pièces sont notées sur la notice, en fait. Du coup, visuellement, il faut se mettre dans le même sens qu'eux. Ce que je vais faire, comme ceci. Ici, pareil. Voilà, comme ça, je peux reconnaître ici mes pièces. Vous voyez, il y a les numéros avec la grappe. Ici, il y a le petit Batman qui est ici d'ailleurs. Du coup, c'est inversé. C'est comme ceci. Non, c'est qu'elle est à l'envers. C'est comme ça. Voilà. Ça m'a l'air tout beau. Comme ça. Parfait. Eh bien, on y va.
Elle est bien rangée, ta table. Ben, merci, mon cher Jean-Baptiste. Est-ce de l'ironie ou pas? Ça m'a l'air plutôt bien organisé, les petites pinces, la notice. Eh bien, quand faut y aller, faut y aller. Alors, donc les étapes, que me disent-ils pour commencer? La pièce numéro 1, c'est celle-ci. Alors, on va la découper. Et on va y aller. OK. Je vais prendre la petite pince, je vais prendre celle-ci. Et on y va. Alors, la semaine dernière, j'avais mis un petit fond sonore et vous m'aviez dit que c'était très agréable. Je vais donc le refaire. Hop, voilà. Je veux bien un petit retour éventuellement pour que vous m'entendez toujours. Vous n'entendez pas la musique. N'hésitez pas à commenter hein, si jamais il y a un souci ou quoi. Moi, j'ai un retour décalé. J'ai pas le son, du coup, je ne m'entends pas. Donc, je veux bien, ouais, que vous me confirmiez que tout va bien. Entendez-vous. Ce serait appréciable. Hop. Donc là, faut le faire sauter, je vais le faire à pince coupante. Donc j'avais pris aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris les pinces Metalers, qu'ils recommandent en fait. Vous avez trois types de pinces, une pince coupante qui coupe du feu de Dieu d'ailleurs au passage. Et ensuite deux autres pinces pour pincer et plier les petits, je disais, les petits macramés. Et voilà, bah, idéalement après je vais vous montrer la ref, comme ça vous aurez la totale. Ok. J'ai donc ma pièce numéro 1 qui ne va pas sortir. Je vais la couper ici. Parce que je suis en train de la plier. Ça, c'est pas bon. On va essayer ici, elle va sauter. Comment est-ce que ça va sauter? On va sauter tout comme ça. La voici. Stabiliser un petit peu. Parce que je l'avais pliée. Tout est bon au niveau sonore. Bah, merci beaucoup, mon cher Emmanuel. Me voilà rassuré, je peux continuer mon streaming sur Edmond grâce à vous. Merci beaucoup. Ok, pièce numéro 1. Alors, ils me disent qu'il y a une face qui est gravée. D'accord, celle-ci, on va faire un petit peu gravée. Tant que ça, c'est bien. Ok, Embrace Side. C'est vraiment le même. Je vais prendre comme je l'avais là. On va pas s'embêter. Alors, ensuite, ils me disent de prendre les pièces numéro 2 et de les plier. Les pièces numéro 2, elles sont où? Sur ma notice, elles sont où? Je n'ai pas la notice. Pièces numéro 2, elles sont où? Hein? Du coup, je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 7. Je n'en vois que 6 sur la notice. On y va. On va faire dans le bon sens. Hop, et de Ok. Ok. Il m'en faut 6. Toujours les 3. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière. Et là. Voilà. Alors, c'est minutieux. Il faut les plier l'une contre l'autre. Alors c'est dans quel sens? Il faut d'abord plier le haut. Ça je vais le faire à la pince. Pas de soucis. Donc maintenant on va plier. Comme cela. Ok. Pas plier à fond. Ça,
fait un cutter. Moi j'ai trop serré l'une à l'autre. Alors tu prends un petit espace. Il me semble que 3D. Ok, je vais partir à la ligne de tissu et de chat. Attends, on va prendre tout le bureau. Pas commencer par le haut, j'avais dit que c'était plus facile de commencer par le haut. Je sais pas trop de quoi il s'agit pour le moment. Ah ok, je suis en train de faire le support de la lampe. C'est ce qui va venir tenir mon spot. Alors, est-ce que je vois des gens? Bonsoir mon cher Duche. Ben, salut Duche. Bonsoir à vous. Et Ewan Jezekiel, un habitué. Ben, bonjour. Duche aussi un habitué un petit peu. C'est pas la première fois que je vous vois, nous sommes. Tant mieux, tant mieux. Ça me fait plaisir de vous revoir. Hop. Ensuite, je vais prendre l'autre pince de celui-là parce que c'est très fin. Voilà. Beaucoup plus facile. Hop. Ok, next. Je vais faire tout de suite le haut parce que c'est vrai que c'est plus compliqué après. Il y en a 6, j'en ai fait 3. Je suis un métier. Ok, 4, voilà le cinquième, tac, tac, voilà, on va faire mieux celui-là, on va faire un peu mieux. Alors c'est donc un lien avec la pièce que j'avais prise, la pièce numéro 1. Ok. Il faut enfoncer une petite chose dans... Ok. C'est pas sorcier. On y va. Enfin, ça va pas bien sorcier. C'est autre chose. J'ai pourtant le petit trou. Tout le monde a l'air aligné. Voilà. Avec... Ok, ça c'est bon. Ok, là bah, bon. Alors ils me disent pas de les souder, enfin, de les visser derrière quoi. Je suis un peu étonné, j'ai peur que ça tombe. Bon, on va tous, hein. On va faire le monde. Salut à tous, salut Pascal, bienvenue. Je fais donc aujourd'hui une maquette en métal de chez Metalworks et il s'agit de la Bat-Signal. C'est le gros spot lumineux quand on a des soucis pour appeler le super-héros. Allez. Alors là, je l'ai un peu trop serré. Ça passe plus. On va desserrer comme ceci. Petit coup de cutter. Je vais mieux comme ça.
c'est avec une rétroaction. Oui, parce que là, ok, j'ai des pouces un peu trop serrés. Ok. Je vais enlever son descrage. Celui-là un petit peu trop fermé. Et lui aussi. Donc, gauche droite, voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. As-tu résolu ton problème de chenille? Si oui, un retour. Mon cher Pascal, est-ce que c'est vous qui la semaine dernière m'avez dit que ça se faisait à chaud? Et en fait, j'avais pas vu votre commentaire. Je l'ai revu qu'après en relive, et du coup, me sentais tout bête. Parce que j'aurais pu le tester en direct avec votre technique. Du coup, non, je ne l'ai pas solutionné. J'ai toujours les chenilles un peu plus loin là-bas. Mais je ne manquerai pas de faire votre technique, de les chauffer pour qu'on ait pas les faire fondre, quoi. Pas les faire fondre, mais que ce soit beaucoup plus approchant. Du coup, non, je n'ai pas encore fait votre technique. Mais je vous remercie, en tout cas, de m'avoir abonné. Éventuellement, si j'ai du temps, je vous ferai un live. Déjà, là, je me suis lancé dans quelque chose, on finit ça. Pour le moment, je n'avance pas très vite. D'accord, en fait, on va bien mettre une autre partie, une autre plaque, qui doit être... insérer, ça va être plus pratique. Ok. Tout au long. Ok. J'ai été de dire, oups, ça vole. J'en ai mis, déjà. J'en ai 6. J'arrive pas à en mettre plus de 2 pour le moment. On va s'en sortir. 1, 2. J'ai dit des trop insensés. Merci de me tutoyer. Avec grand plaisir, mon cher Pascal. On se tutoie. Au contraire, c'est plus sympa. Vous pouvez d'ailleurs me tutoyer si vous le souhaitez. Au contraire, je suis absolument d'accord avec vous. Hop, et je vois passer des likes. Ah, merci beaucoup. C'est très appréciable. Alors, décidez de m'embêter ces premières places. Radio-moi.com. Bravo, c'est ça. Mais tu connais ça, le Perfumas? Je connais, oui, je kiffe. Celle-ci aussi est trop serrée, trop serrée. Celle-ci ne va pas être faite. Celle-ci n'est pas toujours assez serrée. Et du coup, on va pouvoir serrer. Tac. Et le 3. Wouhou! Allez, on va faire moitié. On va y arriver. Le 4. Alors elle n'était pas assez ouverte. Ce quoi je vais remédier. Voilà. Là elle est très ouverte.
Et de 5. Wiggetter. Celle-ci qui était trop ouverte. Voilà. Allez, la sixième. On évite de tout enlever. Ok, bon, ça c'est pas le plus facile. Dernier. On va éviter de les faire tomber, je les enfonce au maximum. Voilà. Bon, étape 1, elle est bonne. D'accord, donc ensuite il me faut la pièce numéro 3. Je vais poser ça ici pour pas que le petit Pikmin touche le sol et que sa mère sorte. Voilà. On est bon, et donc on y va pour la pièce numéro 3. Pièce numéro 3, je regarde donc pas de notice, les pièces sont donc sur la notice. Pièce numéro 3, je ne vois pas si tu tombes à droite, c'est celle-ci. D'accord. Alors je vois un gros freeze sur mon écran. Ah, alors je repasse au direct. Que peut-être la connexion est sautée. Plus de peur que de pas de problème. Alors, où est-ce que ça touche? Ici. Ici, c'est bon. Ensuite, ici. En fait, c'est le petit triangle. Une fois qu'on a repéré le petit triangle, on le coupe. Je vais essayer de vous en montrer un. En fait, ici, il y a un petit triangle. Vous voyez, tout est arrondi et les zones qui piquent, c'est les zones à couper. J'en ai une, normalement, il n'y en a plus assez. Là, il y a le dernier triangle. Je vais couper. Tac. Ok, alors, j'ai donc une petite ici. Ils me disent quoi? De plier le bambou ici. On le plie, je le fais au doigt, ça m'a l'air. Pas besoin d'arrange quoi, ça m'a l'air très bien. Oh, il faut que je refasse les 6 trucs. Oh! Ok, et bien s'il faut, il faut. Hein. Pièce numéro 2. Ok, là j'en ai plein d'autres. Il faut que je les refasse en pliant aussi ici le panneau. Le tour. Là, je vais le faire à la pince parce que c'est plus fragile. Toc, je prends le tour comme ça. On ne peut pas. Je vais en dessous. Ça tombe. Toc. Et de l'autre côté, même topo. Hop. On va casser sur la surface dure. Là, je vais faire comme ça. Ici. Ici. Et voilà. Oh, ça commence à ressembler à un support de lampe. On y va. Pas de son. Oh, pas trop de son. C'est-à-dire, mon cher Philippe. Bonjour déjà, mon cher habitué qui vient chaque semaine. Bonjour à tous, hein, tous les autres. Philippe, Vincent, Pascal, bonjour à tous. Pas trop de son, vous ne m'entendez pas, c'est ça? Vous voudriez que je mette plus fort? Je vais voir ce que je peux faire. Hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? N'hésitez pas, vous voyez, moi j'ai pas de retour son, malheureusement, je ne m'entends pas. Du coup, je ne sais pas si je parle pas assez fort en effet, donc n'hésitez pas à me le signaler. Je peux peut-être faire un petit ajustement. Là, normalement, j'ai augmenté le micro, vous devriez m'entendre mieux. Je veux bien un retour, mon cher Philippe, est-ce que vous m'entendez mieux?
Peut-être que la musique est trop forte, c'est ça? Je peux tout adapter. Je peux l'enlever d'ailleurs si la musique vous gonfle. C'est possible. Ok, donc je cherchais des pièces numéro 2. Et il m'en faut 6. Eh bien, je les connais maintenant. Ce sont les petites ici, avec le triangle, un seul et le 8. Je crois qu'il n'y en a qu'une sur celle-ci. Est-ce qu'il y a bien 7 pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Et sur celle de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on a 8. Et moi, il m'en manque 6. Ça veut dire qu'il va y en avoir 2 plus tard. Mais c'est pas fini avec ces petites pièces là. Qui sont pas. Bon. Pratique, pratique, quoi. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, on va 2. C'est celle-ci. Et celle-ci. Good. Ok, bah ça, il va y avoir une petite impression de déjà vu. Ça va être le même topo. Maintenant, je le connais. On commence par le haut. Check. Ensuite, on prend là, on pose au milieu. Et ensuite, on pose là. Et on vient refermer avec un câble. Comme ceci. On ne serre pas trop, puisqu'ensuite, c'est un étang. Et de une, allez, plus que 5. Bon. Hop. Là, c'est mieux. Bah, super. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, on peut corriger, trouver des solutions simples. Et comme ça, vous m'entendez. Peut-être un peu plus loin de mon micro que d'habitude aussi, c'est peut-être ça qui a joué. Et le 3. Ouais, des likes, je vois passer des likes dans tous les sens, ça, ça fait plaisir. Ça, ça on aime ça. Voilà, j'ai crié, je vais me casser les oreilles, même si je suis mis plus fort. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont allés feuilleter notre catalogue? Est-ce que certains l'ont reçu? Vous avez peut-être passé une commande récemment. Avez-vous reçu notre catalogue papier sur lequel j'ai tant travaillé? Hop! Ok, alors, on y va, j'imagine qu'il suffit de coller l'un à l'autre, enfin d'insérer les... Oui d'accord, on insère les 5, les 6 petites choses que je viens de créer, et ensuite, on va venir les mettre, la pièce, parce que j'avais fait en étape 1 contre ce que je suis en train de faire là, et ça va nous faire le support de la lampe. Toc, alors là je vais un peu décaler, on va... comme ça, tac, sinon pas trop, peut-être que c'est ça qui fait plutôt, voilà, bien aligné là, du coup je les ai un peu serrés l'un contre l'autre, petite pince au milieu pour les écarter, voilà, allez, et deux, la technique maintenant ça va aller plus vite, et deux, ah zut, je l'écrase un peu, je vais pas la sauver. Oh, allez, allez, allez. Bon, trop tard, trop écrasé. Next. Ça, ça va pas le faire. Tac. Tac, allez, passe ici. Ah, j'en mets la première. Ok, tu sais, je vais la remettre.
Ah, mais tout à l'heure, j'y faisais la pince, c'était beaucoup mieux. Moi, j'en fais pas avec la pince. Toc. Voilà. C'est beaucoup mieux avec la pince. Toc. Hop. Numéro 3. Un petit peu trop écarté. Peut-être qu'avec ma pince, mais merci. C'est suffisant, pas trop. Non, trop, pas trop. Zut, ma pièce 2 est tombée. Ok, elle est trop serrée. Elle est pas assez serrée. J'en ai une chaque comme ça. Ça, ça rend du premier coup. Et ça. Serré aussi. Combien le kit? Alors j'ai mis le lien tout en haut là, si vous remontez dans les commentaires vous devriez le revoir, je vais vous le remettre. Elle était de mémoire à 20€, 19,54€, 19,54€ et en promotion à moins 15%. C'est pas voulu, je ne savais pas, enfin, je savais. Donc tant mieux pour vous si jamais ça vous intéresse. Il y a pas mal d'autres produits chez Metalers qui font aussi des véhicules. Je sais qu'il y avait Corsair, vous savez, le fameux avion, les habillés, donc je sais plus quoi, comme ça, des véhicules un peu agricoles, des pelleteuses et tout. Ils ont une gamme assez sympathique, c'est assez sympa à faire. Bon, là, c'est très très minutieux et un peu de 12 fois la même pièce, donc c'est un peu redondant, c'est tout pour vous. Ok, alors j'en ai 4 qui me posent problème. 4 sur 6, c'est beaucoup. Là, ok. Une réparée, deux, celle-ci c'était celle qui n'était pas assez serrée, je la resserre, celle-ci trop serrée, oups, et la dernière trop serrée. Salut tout le monde, salut Lionel, bonjour, bonjour, bienvenue au streaming Minute Market. Du coup, oui, chaque semaine on se retrouve, je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi vous. On se retrouve autour du maquette. La semaine dernière, on avait fait le Fokker de chez Revell. Et aujourd'hui, comme on a eu un atelier tout à l'heure, j'avais déjà fait des maquettes cet après-midi, des maquettes plastiques à ce moment-là. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va changer un peu. On n'a qu'à faire une Metalers. Que voici, la Batsilla. Très bien, next. Trop serré. Next. Hop. Allez, plus que deux. On essaye de pas toutes les enlever d'un coup, sinon les gestes. Tac, il y a un peu de chômage. Voilà. Et la dernière. Tchouk tchouk tchouk. Hop. Ah, en fait, c'est moi qui l'appuie à chaque fois avec ma pince. Peut-être le faire sans pince celui-là parce que. Celui-là est sensible. J'ai tellement plié ma pince. Et ma mine de cutter de la passer. Alors. On va voir. Autre pour moi.
petite dernière. Je veux pas là. Tu ne joues pas. Ça y est. Voilà. Ok. J'ai donc fait mes deux premières étapes. Super. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? De venir mettre. Donc je l'ai pas fait, mais je pense qu'il faut les fermer. Hein. Ils me disent pas les fermer. Mais après c'est que le rond, donc je pense pas. Je vais les fermer. On va faire all-in. Parce que sinon j'ai trop peur que ça tombe. Je suis sûr même que ça va tomber. Je vais faire celle-ci et je vais les rincer une contre l'autre. Qu'elle tombe. Et la dernière. Toc. Passe un petit peu dessus. Voilà. Là. Right. Maintenant, que me disent-ils ? J'ai l'impression... J'aimerais bien voir ma boîte. Elle est là, ma boîte. Ok. Qu'est-ce qu'ils me disent ici ? Non, c'est ok. C'est l'un sur l'autre. Donc, c'est lui qui vient sur lui. Comme ceci. Ok, il y a du mal à une femelle. Ici. Ici. Hop. Voilà. Ok, on va faire le petit quart de tour pour fermer tout ça, j'imagine. Ouais. Ok. Cloc. Là, comment je peux faire ça? Voilà. Où est-ce que je l'ai pas fait la dernière? D'accord. Et voilà. Mon porte-lampe. Et bien voilà. Ok, maintenant pièce 4, pièce 5. On y va. C'est parti, pièce 4, pièce 5. Elles sont ici. La pièce 4. C'est la grosse ici. Très bien, on la coupe. Où sont les petits triangles? On a un petit triangle ici. Voilà. Toc. Là. Oui. Et voilà, ok, pièce numéro 4, on est bon. Qu'il faut plier vers le bas. Comment? Ok, comme ceci. Et là. Voilà, ça me bloque évidemment. Le dernier, voilà, et là j'ai un truc mâle femelle qu'il faut aplatir comme ça, et voilà le support. Pièce numéro 4,
Parfait, on continue. Pièce numéro 5. Ok, qui était juste à côté de mémoire. Non. Non, non, non. La 5, c'est celle-ci. C'est très bien. Alors, petit triangle. Donc, petit triangle. Top. Petit triangle. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je dois mettre en bas. D'accord, il y a un sens ici, et il y a des petites agrafes qui font que... ah non, ok, en fait, c'est toute la, tout le contour qu'il va falloir plier. Ok, bah avec la pince, ça va être assez rapide. Hop. Hop, et le dernier, hop. Hop là, magnifique. Et alors, ils me disent de mettre les deux petits trous là sur le côté, ici. Ok, next, on doit coller ce qu'on a fait au début là-dedans. Comme ceci, j'imagine. Très bien. Est-ce que je vais plier là du coup? Bon, on plie en dessous. Hein. Qu'est-ce qu'ils me disent ensuite? Ça va suffire le temps de faire. Donc c'est pas très bien foncé. Toc. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est... Et voilà. Oh ben voilà. Le crash test. Il a passé le test. Tant mieux. Ah et là il fallait fermer. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Toc. Hop, je ferme ça. Pour le fermer. Ok, next. Ça c'est bon, ça je vais tout faire. Ok, maintenant que me faut-il? Pièce numéro 6, quelle est-elle? Un gros bon. Ce qui va être ici, c'est celle-ci. Ok, petit triangle, on va faire le petit triangle. Triangle number 1, ici et le 1, ici et le 2. Sens. Et la 3 ici. Toc. Ok. Oh non.
qu'est-ce que je dois faire avec ça? Il faut insérer la pièce 7. Alors, quelle est-elle, la pièce numéro 7? La trouve pas. Ah, c'est tout en haut, ici, c'est la petite pièce que nous voyons ici, avec cette... C'est du détail, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un rond et une sorte de tige. Ah d'accord, il faut l'enrouler. D'accord, il va falloir plier. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est vraiment petit. Plier et ensuite ici enrouler. Voilà. Enrouler autour. Alors, ça ne s'enroule pas vraiment. Ça va être la casse. Comme ça. Ok. Voilà. Un premier côté roulé. Et on va faire l'autre côté. Un truc qui était plat est venu pour eux. C'est vraiment du super détail, vous en êtes tout au milieu. Oui, c'est ça. Très bien, on y va au milieu. Ploc. Je viens plier ici. Est-ce que je peux le faire au doigt? Non. Ah, on fait A, S, ça fait tout. Voilà. J'ai donc mis le petit rond au centre. Parfait. Ensuite, c'est plein de trucs à rouler, j'ai l'impression. La 8 et la 9. Ok. 8. Qui voit la 8? Vous ne voyez pas ma notice. Il ne reste pas de la trouver. 8. 18. 8. Là. Ok. Sur la droite de droite. Parfait. On a un petit triangle. On le coupe. Hop, je vais enlever la notice. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent avec ça? De la rouler encore. Ok, ça va venir autour. Hop. On va faire un rond plein. Ah, oui. Je vais pas le faire comme ça. Je vais mettre quelque chose sur lequel je puisse tourner autour. Genre une pince. Ok. Un petit coup de pince final et on va le rendre en rond. Alors, un peu trop fermé, un même coup. Oh, 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 je l'ai trouvé! Ça, c'était chaud. Petit envol de la pièce. Alors, j'ai réussi à faire un... J'imagine que maintenant, pour qu'il s'insère parfaitement ici, on va voir un bon. Alors, c'est lequel? Bon, c'est le premier. Bon, me semble beaucoup trop couvert. Je vais en mettre un. Je vais essayer d'en mettre un et après je vais couper un tissu pour faire venir à la distance. Pour... Alors, est-ce que ça marche ma technique? Tac. Presque. C'est mieux prêt. Voilà. Ok, ça va ça. C'est un petit rond en plus, encore. Hein. On va tout de suite fermer. Et
Ok. Ah, il me reste un. Allez, je suis avec la 9, la 10 et la 11. Mais lui qui me reste pas mal de pieds de... pas mal encore de pieds, ça fait. Comment est-ce que je peux pas faire le gros coup? Je vais essayer de tricher sans faire les petits détails qu'ils sont en train de me faire. Sinon, on va jamais avoir le bout. Alors, on va essayer sur la pièce 17, direct. Toc. On va faire la grosse pièce. Cool. Tac. Alors, que faut-il faire avec ça? Il faut rouler cette grosse pièce. D'accord. Chose comme ça. Est-ce que j'ai pas un gros cylindre qui pourrait m'aider? Genre la tête de mon Batman. Le femelle ou pas? Oui! C'est aussi simple que ça. Ça paraît un peu facile à mon goût. Mais pourquoi pas? Hein. Hello, bonne soirée, bah, salut Bruno. Bonne soirée à toi. Allez, c'est bon, tac. Tac, là c'est bon. Non, on n'est pas super haut, quoique. Non, on n'est pas si correct que même, je veux dire. Ça va faire un peu moins à faire. Oh, c'est pas si mal. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Que je le colle avec ce que j'ai fait juste avant. Alors là, j'ai fait une version shortcut parce que sinon j'ai vraiment peur qu'on voit pas le bout. Donc, ouais, normalement il y avait plus de ronds à l'intérieur. Et là, du coup, j'ai sauté 2-3 étapes pour voilà, qu'on ait un truc un peu fini quand même à la fin. Un truc à moitié. Alors, donc ça, en fait, fallait peut-être commencer par ça parce que là, ça m'aurait fait le rond parfait tout de suite. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas lu la notice. Je n'ai pas pensé. Voilà! C'est parfait. Ok, ici, on plie. Alors, elle est tombée. Je ferme donc pour que ça bouge. Et le 2. Et le 3. Hop! Du coup, ça va ressembler un truc comme ça. Alors, next. Ça, je viens de le faire, c'est parfait. Au suivant, il me faut pièce numéro 20. J'imagine que c'est celle-ci visuellement. Alors, je vérifie. Pièce numéro 1. J'ai raison. C'est celle-ci. Hop, petit triangle. On coupe le petit triangle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ah, ça, c'est pratique pour le coup de retourner la notice à chaque coup. En plus, pour m'arrêter. Alors, ok. Il faut simplement remonter ça contre ça contre ça. Voilà. Et ensuite, venir mettre ça. Ici, il y a un petit truc là en effet. Bon, il est sur les deux côtés. Ah non, il n'est pas sur les côtés. Il est ici seulement. Ça, ça ne marche pas. Est-ce que ce serait pas parce que c'est comme ça du coup? Ça a l'air plus cohérent ici. Non, 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 non. Ça n'a pas l'air plus cohérent du tout. C'est sur la verre d'avoir fait un rond parfait ça. Quasiment toutes dedans. Qu'est-ce qu'il me manque? Karaté, c'est bon. Alors, toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Toi, presque bon. Voilà, tu es bon. Toi, t'es parti un peu loin. Voilà, tac, et voilà, parfait. Au suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Il va me mettre une petite chose ici. C'est quoi? Pièce, numéro quoi et quoi? 21, non, 22. Tadam! Ok, je pense que je vais squeezer ça aussi. Parce que sinon, je vais jamais finir. Alors, on va se mettre maintenant. C'est du parti. C'est comme ça, plus important. Si tu utilises un verre de pince, du coup, ça va être un petit peu de pâle. Ok, et ça, ça va venir ici. Alors, toc, toc, toc. Ok, on va venir plier pour le faire tourner. Voilà. Et le 3. Et voilà. Toc. Du coup, ouais. Après, ça va être des méga détails. En gros, il y a un petit système pour le faire tenir ici. J'ai vraiment peur que ça me prenne des heures. Mais globalement, j'ai quand même pas mal avancé. Et ça devrait ressembler à ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, je me demande si ça marcherait vraiment si on mettait une petite LED en dessous. Ou... Logiquement, oui. Est-ce que je peux vous la tester? J'ai pas de petite lampe. En fait, j'ai une petite lampe pour vous. Mais ma petite lampe fait déjà Batman. Donc, c'est de la triche. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et du coup, si je fais ça, bah, évidemment, ça va faire Batman. C'est pas bon. Bah, faudrait que j'essaye de faire venir une. J'ai une petite lampe chez moi pour la tester. Ça. Bon, je vois que ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Nous ne sommes plus que 5 survivants. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait le maximum, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de taf. La tour Eiffel était plus simple. Donc bon, j'imagine que là, c'est pareil, il y a un nombre de pièces à respecter. C'est vrai que je ne vous ai pas donné l'info. J'ai pas le nombre de pièces là, comme ça. Hein, mais... Ah voilà, ils disent que ça va de 13 à 50 parties. Bah, là, typiquement, je pense que je suis plus sur du 50. Là, j'ai le nombre de pièces sous les yeux, hein, 30. Là, j'en ai 30, a priori. Je ne sais plus combien il y en avait dans la tour Eiffel.
Mais voilà, comme là, c'est des tout petits détails qui vont en gros juste permettre de maintenir, en fait, globalement, là. On voit un peu ce qui est fini. Alors moi, mon écran est figé. Est-ce que chez vous, vous m'entendez toujours? Donc voilà, c'était le streaming Metalverse, accompagné de ma petite figurine. donc ouais, désolé, mais je pense que sinon, je vais vraiment passer ma nuit. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais globalement, hein, c'est quand même un petit rendez-vous, c'est sympa. J'ai en plus l'impression que mon internet a coupé. Je ne vois plus le direct. Parce que vous êtes toujours avec moi. Ça fait peut-être une demi-heure que je parle tout seul. Ah là là, mais j'avais trop de petits commentaires que j'ai pas vu. Tant pis, je suis désolé, cher followers. Êtes-vous toujours avec moi? Je ne vois plus rien. J'ai un doute. Je ne vois plus de commentaires. Je vais recharger la page. Tiens, on va aller voir ça. Hop. Alors, si ça me dit bien que je suis en live. Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Oh, c'est bon. Mais ma quête is live. Alright. Si, si, ça a bien l'air de marcher. J'ai rechargé ma vidéo et ça m'a l'air tout bon. Ah, merci pour vos commentaires. Me voilà rassuré. Je ne parle pas tout seul. Du coup, voilà le modèle quasi fini. Je vous dis, j'ai un peu triché. En fait, ce qui me manque, c'est les maintiens ici. Il y avait des petites pièces à mettre sur les côtés qui vont en fait permettre ensuite de l'intégrer comme ça. Je pense peut-être qu'il va bouger, je ne sais pas. J'essaierai de la terminer et vous montrer le modèle terminé. Et j'essaierai de vous mettre une petite LED idéalement pour voir ce que ça marche. C'est assez sympa, les maquettes Metalverse, ça tient bien, c'est assez sympathique. Le problème, c'est que moi en streaming, bah, forcément, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis un peu limité. J'ai pas passé la nuit ici quand même, pour rentrer. du coup, bah, merci à tous pour votre écoute. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme à chaque streaming, je vous donne un code promo. Alors, je vous le redonne. C'est 1001 streaming, tout collé. Comme ceci, un petit code promo si vous souhaitez en profiter. N'hésitez pas. Si vous avez quelques questions, bah, profitez-en. Je reste encore quelques minutes. Je commence à ranger mes affaires. Et puis sinon, bah, bon, je vous dis, on s'arrête là. Et puis, on se revoit de toute façon la semaine prochaine. Je n'ai pas encore prévu ce que je vais faire. Si j'ai un planning, on va voir. Si vous avez des demandes en particulier, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire. Si jamais je ne vous pas, vous voulez qu'on fasse un camion, un drone ou quoi, ben, je pars en négo avec mon boss et s'il valide, ben, je vous le montre le mercredi suivant. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si on est passionné de train, de slot, je ne sais pas quoi. Voilà, on est ouvert à toute proposition. Donc, ou même si jamais vous voulez venir nous montrer vos techniques ou quoi. Je sais qu'on avait parlé d'aérographe, donc si jamais vous voulez venir avec votre aérographe et montrer à tout le monde les belles techniques, etc., ou même à moi d'ailleurs, me montrer comment on fait, bah, n'hésitez pas. On est joignable de toute façon après ce streaming, via le chat sur notre site, les emails, le téléphone. On n'est pas très loin. Voilà, voilà. Et sinon, tous les mercredis, comme d'habitude, les ateliers. N'hésitez pas à vous inscrire pour la semaine prochaine. Il y a de la place. Et je serai ravi de vous accompagner pour la première fois. Pour votre montage de maquette. Voilà, voilà. Allez, je vais ranger mes outils. Je vois pas de commentaires. Ah, si, j'ai vu d'ailleurs. Et je vous en remercie. Là, vous m'avez rassuré. Après, ça marche. Donc voilà, le bas de signal. Je vais essayer un zoom. Mais généralement, ça donne plus mal à la tête qu'autre chose. C'est assez chouette. Allez, on va mettre à côté de la plaque. Voilà. Hop, ça a tout tourné, zut. J'ai triché. Faut pas savoir que j'ai triché. Hop. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, c'était donc le streaming Batman. C'est fini pour aujourd'hui. Je vais regarder juste rapidement là si je n'ai pas un commentaire.
Je vais vous remettre ma petite tête. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous donc une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, que ce soit lors de nos ateliers ou du streaming hebdomadaire. Plein de bonnes choses d'ici là. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée. À la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir.